qu'à sa chaise. Ouais, bonne anticipation. Et voici le 14-13. La ligne. Allez, une volée heureusement parfaite. Il aurait pu se faire surprendre par cette balle ralentie par le filet. Ouais, c'est remarquable. 30 là. Et cette fois-ci, jamais assez en avant. Un mondial tout simplement extraordinaire. Sur ce cours-là, il est parti de 2 mètres derrière sa ligne de fond. Il arrive parfaitement sur la balle, toujours avec un équilibre. Superbe volée amortie. Encore une fois, il part de très loin. Beaucoup de touchés. Jeu décisif dans un cinquième set pour Marat Safin sur le court Arthur de son jeu. Ouais, magnifique touché. Dans un premier temps qu'elle allait sortir. 15. Il arrive également un petit peu. Ah, magnifique. Et celui-là, il était beaucoup plus difficile. 40-30. Premier chip and charge du numéro 1 mondial dans cette rencontre. De série numéro 14, on connaît donc un premier quart de finale. Ça c'est dans cette deuxième manche. Jiquel a fait presque tout juste, mais allez, superbe deuxième service. Et à nouveau, plus concentré. Ah, il va vite, hein, Marc Jiquel. Reste encore à... Il était parti certainement pour placer une petite amortie. Quand il a vu le Français se replacer, eh bien, il lui a suffi. Eh bien, dis donc, celui-là, il vaut très cher. Mais le public qui a retenu son souffle, hein, car c'était un passing loin d'être évident. Superbe passing sur la ligne. 30 là.